Si tu as une moto, c'est très important parce que moi, les déplacements, toujours les taximètres, souvent quand je passe dans la rue, et lui qui est intéressé, il s'approche à moi. Et il me demande, je lui dis que je fais ce travail. Il me demande combien il peut lui donner. We maken kennis met een nieuw fenomeen in de straten van Ouagadougou. De motorvrouwen. Ze zijn te herkennen aan hun uitdagende uiterlijk, hun hoge hakken of plateauzolen en uiteraard hun motor. Si tu as une moto, c'est très important parce que moi les déplacements, toujours les taximètres. Souvent quand je passe dans la rue et lui qui est intéressé, il s'approche à moi. Et il me demande, je lui dis que je fais ce travail. Il me demande combien il peut me donner. Het werk dat Kras doet staat in Burkina Faso bekend als motorprostitutie. Het hebben van een motor is hier een luxe, waardoor ze hogere prijzen kan vragen. Met haar motor wacht Kras tot ze aangesproken wordt en neemt mannen dan mee naar een hotel of een nachtclub. Wanneer de hoerenloper lopend is, mag hij bij haar achterop. Oui, nous sommes allés à l'hôtel et je lui ai demandé qu'il me paye d'abord avant. Il m'a dit non, qu'il voulait qu'il va me payer. Il m'a montré de l'argent. Je lui ai dit d'accord. Donc, on a fini et après, il m'a dit qu'il ne peut pas me payer parce que je suis une pute. Et une pute, il a le droit de faire ce qu'il veut de moi. Donc, du coup, je lui ai dit ok. Parce que je ne pouvais pas me battre contre lui. Donc, une fois, je l'ai appelé pour qu'il vienne. Que je voulais juste qu'on saute ensemble. J'ai filmé et je l'ai menacé de dire s'il ne me paye pas cette somme d'argent que je propose, je vais balancer. Donc il m'a payé et c'est comme ça que c'est passé. Et on ne s'est plus revu. C'est parce que je fais ce travail que je suis comme ça de Mac. Parce que si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas t'offrir ce genre de trucs-là. C'est comme ça que je dois avoir beaucoup d'argent parce que si je n'achète pas ces trucs de luxe-là, comment je peux faire pour avoir de l'argent? Peut-être qu'ils vont me prendre pour une fille de bac, là, je sais pas, n'importe quoi. Donc, si je m'habille en luxe, c'est normal qu'ils me donnent plus. Je m'appelle Grace. Je viens d'un petit village. Je suis une fille normale comme toutes les autres. Du coup, j'ai décidé de venir me chercher à Ouaga, comme tout le monde en ville. Et je sais que les gens vont me prendre comme une folle, mais bon, je ne suis pas folle. C'est vrai, je me donne aux hommes pour avoir de l'argent. Et je trouve ça pas mal, c'est bien. On gagne de l'argent, on vit la vie comme on peut, comme tout le monde d'ailleurs. Tonight, when I came home from work, heard tonight when I came home from work, there he unforeseen sat in my kitchen and said, what's that sorrow you bear? And I could tell him he understood. He gently took my arm, he listened to my tears till dawn. Tonight, tonight, tonight. Je veux arrêter tout ça. Si je gagne l'homme parfait, l'homme qui m'aime tel que je suis, l'homme qui m'admire, qui aime tout ce que je fais et ne me juge pas. Il y a des hommes pervers dans ce genre de trucs-là. Beaucoup d'hommes pervers. Il y a d'autres qui viennent parce que tu te vends. Donc ils se disent, ils ont le droit sur toi. Ils ont tout le droit sur toi. Alors que ça ne marche pas comme ça. Avec moi, ça ne marche pas comme ça.